Bonjour à tous et bienvenue donc à l'Institut du Monde Arabe pour 300 millions de critiques comme chaque semaine. Nous allons passer en revue l'actualité culturelle francophone et vous le voyez, l'ambiance est au beau fixe puisqu'il fait un temps magnifique sur Paris, derrière moi la Tour Eiffel, Notre-Dame que vous découvrez donc dans les quartiers historiques de la capitale. Nous allons beaucoup parler d'art et du début du XXe siècle avec une magnifique série qui est sur Arte à partir donc de livres de Dan Frank sur les aventuriers de l'art moderne avec cette phrase célébrissime de Picasso, le plus célèbre de ces aventuriers. Moi, dans mon cas, je ne cherche pas, je trouve. Voici donc le sommaire de 300 millions de critiques cette semaine. Pousser un large public à s'intéresser à l'art moderne, c'est le pari de la série documentaire « Les aventuriers de l'art moderne », une série proposée par Arte et diffusée fin décembre 2015, une façon créative de raconter l'art qui a plu à l'équipe de 300 millions de critiques qui revient sur cette série. Nous allons aussi parler musique et évoquer un tube qui a 50 ans, celui d'Antoine, chanteur atypique ayant largué les amarres depuis longtemps, qui se retourne dans un livre CD sur l'aventure du titre « Les élucubrations ». Nous évoquerons l'ouvrage et les années yéyé. Et nous allons terminer en parlant bande dessinée. Dans quelques jours débute le grand rendez-vous du 9e art, le 43e festival international de bande dessinée d'Angoulême, avec un programme qui s'annonce chargé. Quelles sont les nouveautés attendues? Nous les évoquerons tout à l'heure avec nos chroniqueurs. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti! Et pour traiter tous ces sujets, Estelle Martin de TV5 Monde, que vous connaissez ma chère Estelle, je vous embrasse. Bonjour Guillaume. Comme chaque semaine, j'aime bien le... Mathieu Lugal de Radio-Canada, mon cher Mathieu, bonjour. Bonjour. Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur pour l'attractivité culturelle de la France. Oh, j'y suis arrivé. Bravo. Yves Vigo, qui est directeur de TV5 Monde, et qui est comme tous les directeurs, évidemment, un talent colossal. Et Michel Cerutti de la Radio-Télévision Suisse, bonjour à vous trois. Bonjour, talent colossal premier aussi. Premier sujet de cette émission, nous parlions de Picasso tout à l'heure. Pour ouvrir cette nouvelle émission, nous allons nous intéresser à une nouvelle manière de montrer l'art moderne à la télévision. Pousser un large public à s'intéresser à cet art, justement, c'est le pari de la série documentaire que j'évoquais, « Les aventuriers de l'art moderne », proposée par Arte donc depuis le début du mois de décembre 2015. C'est un pari audacieux et réussi, comme vous allez pouvoir le découvrir avec quelques images de cette série. Et juste après, vous nous direz si cette manière d'aborder le sujet vous intéresse. Ces images, les voici. À Montmartre, au début du siècle dernier, des artistes sans le sou mènent une vie de bohème tumultueuse. Max Jacob, son grand ami Pablo Picasso, le poète Guillaume Apollinaire, les peintres Georges Braque, André Derain, Maurice de Vlaminck et tant d'autres. En attendant la gloire, ils s'amusent, s'admirent et se jalousent. Picasso a posé ses pinceaux dans une ancienne manufacture de piano, le bateau Lavoir. Il y installe sa grande amoureuse, Fernande Olivier. Apollinaire, lui aussi, a trouvé sa muse. Elle est peintre, elle a 20 ans, elle s'appelle Marie Laurencin. Le succès finit par frapper à la porte du bateau Lavoir. Gertrude Stein, excentrique collectionneuse américaine, pose pour Picasso. Et Ambroise Vollard, le marchand de Cézanne, lui achète de nombreuses toiles. Cependant, Picasso a un rival. Le peintre Henri Matisse, connu pour sa vie austère et ses œuvres aux couleurs fauves qui font scandale. Mais Pablo n'a pas dit son dernier mot. Voilà, nous commençons par vous. Allez, hop, je prends Olivier. Bon, cette fois-ci. Bah écoutez, d'abord... Réussi ou pas? Oh, bah très réussi, formidablement réussi. Et il faut revenir aux origines de cette série, qui sont la passion que Dan Frank, qui est un écrivain romancier qui a écrit avec Jean Vautrin beaucoup de romans, mais a pour ce pari de la création du début du XXe siècle. Voilà, bateau Lavoir. Voilà. Picasso, entre... Apollinaire, Max voilà. Jacob. Ce pari bien français, comme disent nos amis du Front National, mais en fait, qui n'était fait que de mes textes, Picasso, Chagall, Soutine et d'autres, merveilleux, étrangers. Donc, ce pari qui était distribué entre, et séquentiellement dans le temps, entre Montparnasse et Montmartre, mm-hmm. a produit tout ce qu'on sait, qui fait qu'aujourd'hui, même des expositions sur la prostitution, comme les Splendeurs et Misères de la prostitution, sont pleines de chefs-d'œuvre de la peinture, et que cette peinture va dans le monde entier, à une époque où d'ailleurs il n'y avait pas de ministère de la Culture, comme quoi finalement un pays peut rayonner sans nécessairement qu'il y ait une politique culturelle. Alors, le pari, et je connais bien Dan, et j'ai publié un de ses livres justement sur ces sujets-là,
là aussi d'art moderne. Il m'a toujours dit que c'était impossible de mettre ça, je lui ai proposé de faire quelque chose, il m'a toujours dit que c'était impossible de mettre ça à la télévision. Et je pense qu'il se bridait un peu. Il a dû rencontrer, je l'imagine, à travers la réalisatrice et la productrice qu'il a, des gens qui ont eu le talent, le courage d'adapter ça. Et tout d'un coup, on se dit, mais mon Dieu, quand même, nous sommes propriétaires de ce patrimoine formidable, la France. Hein, France et l'Italie, deux pays du monde qui ont le plus de patrimoine artistique. Comment n'avons-nous pas imaginé plus tôt, et peut-être pas sur Arte, pardon, que j'aime beaucoup, mais sur la 2, la 1, les chaînes avec très très forte audience, imaginer... Les Américains l'auraient fait avec un patrimoine, une histoire pareille à raconter ce moment extraordinaire de la création, qui est la création mondiale. Donc bravo Arte, bravo pour ce qui a été fait. Et puis disons à Madame Ernotte, qui je crois s'intéresse beaucoup aux questions culturelles, allez-y, faites-en plus, montrez des artistes à la télévision, des écrivains, ça fait beaucoup plus recette que parfois bien des politiques qui ennuient beaucoup de nos concitoyens. Voilà, ce message doit être entendu. Sauf le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui est un homme tout à fait remarquable. Comme tous les patrons. Absolument, voilà. Cette émission est une émission qui est dominée par un sentiment qui est ce qu'on appelle la brosse à reluire chez les vulgaires. La loyauté. Ce qui n'est pas son cas. La loyauté chez les seigneurs et bien évidemment la flagornerie chez les lèches-culs. Alors, enchaînons. Est-ce que ça vous a plu les uns et les autres, Mathieu? Ben c'est formidable, c'est vraiment, c'est une série, c'est... J'emploie pas ce mot-là souvent, mais c'est vraiment extraordinaire. Réussir à rendre compte de cette histoire-là, de cette manière-là, et d'ailleurs, il faut dire qu'Amélie Harrault, qui est une toute jeune réalisatrice, c'est fabuleux. Et d'ailleurs, elle l'avait dit parce qu'elle a eu le César avec son court-métrage qui s'intéressait à Kiki de Montparnasse, d'ailleurs, qu'on revoit dans cette série-là. Et elle avait dit lors de la... quand elle avait reçu son César, je sais pas si c'est lors de la réception ou bien après dans les entrevues, elle dit « Moi, je m'intéresse à l'histoire de l'art par la vie des gens qui ont fait l'art et non pas par les livres. » Et donc, c'est vraiment un regard de quelqu'un qui n'est pas une théoricienne de l'art. Et je pense que c'est ça qui fait la force de cette série-là, c'est qu'on voit des êtres humains, on voit des hommes, on voit des gens qui souffrent. On nous parle des nids de puces qu'il y avait dans le conduit auditif de Soutine. On nous parle de ces gens-là qui souffraient, de ces gens-là qui devaient utiliser des tours de passe-passe. Hein. On voit Max Jacob, d'ailleurs, qui s'en va voir les marchands d'art en faisant la réclame pour son ami Picasso, qui l'a trahi par la suite. Alors, on voit des gens vraiment... qui souffrent pour leur art. Et le dessin est absolument extraordinaire parce que moi, j'ai regardé les 6 épisodes, j'ai fait là, de l'écoute en rafale. Et la manière du dont... Binge-watching. Du binge-watching, mais en fait... c'est très TV5. et la manière dont le dessin évolue du selon les épisodes... en immersion. Non, il y a un autre mot pour ce visionnage en rafale. Ouais. Donc, j'ai regardé les 6 épisodes. Tu t'es tapé les 6 fois 52 minutes. Voilà. Et on voit vraiment le dessin qui évolue. Et on sent, par exemple, les références à l'art. Parce qu'Amélie, on sent qu'elle connaît ses classiques, Amélie Harrault. Parce qu'on voit, par exemple, Apollinaire dans Les Tranchées. On sent Autodix avec Der Krieg, sa fameuse série de fusains, lui qui était mitrailleur dans les tranchées. On sent des influences BDS. Tardi, exactement. On sent du Tardi. Et tout ça évolue d'une manière qui est magnifique parce qu'au début, c'est pas la même chose que dans le 6e épisode. On a vraiment une évolution picturale de sa part. C'est magnifiquement raconté. Je veux dire, il n'y a absolument rien. Il n'y a rien à redire contre ça, si ce n'est que c'est géo... Il n'y a rien à redire. Non, mais une chose, c'est géobloqué. Et donc, si vous voulez la voir, cette série-là, au Canada, il va falloir que vous usiez de création. Vous tournez. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Mais c'est ça. Mais c'est géobloqué. C'est géobloqué sur Arte. Donc, voici donc la série. Non, c'est géobloqué. On ne peut pas la voir à l'extérieur. Non, c'est plus en replay sur Arte. Nous, on a la chance en France de pouvoir le voir sur YouTube, si je peux le dire. Mais je ne savais pas que c'était interdit. Il faut acheter le DVD. Il faut acheter le DVD. Commentaire. Encore plus simple. Quelqu'un a quelque chose à dire de plus? Oui. Eh oui. Parce que moi, j'ai une colère rentrée violente. Alors, Guillaume, avant... Que se passe-t-il? Donc, avant... Vous savez quand on est. Nous sommes en 2015. C'est-à-dire qu'on est en train, et c'est effectivement
une réussite formidable, ce qui a été fait à partir du livre de Dan Frank. Mais ma colère vient évidemment de ma passion pour l'art d'aujourd'hui depuis des années. Ah. C'est-à-dire qu'on vient de perdre Ellsworth Kelly, le plus grand peintre américain. Alors on a enterré Michel Depeche, bravo. On a enterré Michel Galabru, bravo. Ellsworth Kelly est un des génies de la peinture, pas une ligne dans les journaux, et on n'en parle pas. Et ceux qui sont ici sont les équivalents d'Ellsworth Kelly. Il ne faut pas oublier que le premier Picasso a été acheté par les musées français en 1937, alors qu'il vivait au Bateau-Lavoir depuis 1903. Donc on est toujours concernant avec l'art dans ce sentiment que finalement, il va falloir attendre 50 ans pour les plus jeunes, ou 100 ans, ou même pour la télévision, 115 ans, pour que ça intéresse fondamentalement à ce qui est le génie culturel. On a fait la même reproche à Ken Burns, par exemple, quand il a fait sa grande histoire du jazz aux États-Unis. On lui a dit, t'as oublié ci, t'as oublié ça, t'as pas parlé d'un tel. C'est toujours la même chose. Je reprends ce que disait Olivier tout à l'heure. C'est pas un problème de cet objet et de ce qui a été fait. Ce qui est invraisemblable, c'est que ce qui caractérise... Vous prenez deux œuvres particulières, Les Demoiselles d'Avignon et le début de La Recherche du Temps Perdu de Proust. C'est les mêmes années, 1912, 1913, etc. etc. Bon, bien, Proust, vous avez 500 émissions littéraires qui ont eu lieu, des dizaines de diplômes, des centaines de questions à l'ENA qui ont été posées à des jeunes aspirants qui dirigent la France. Et sur l'art, rien. L'enseignement, rien. Donc je dis bravo à ça. Oui, et effectivement, ce que dit Olivier est fondamental, c'est qu'il serait quand même important, d'ailleurs Laurent Fabius en avait déjà parlé dans un livre qu'il avait fait sur l'art, qu'à un moment, on considère que l'histoire de l'art est aussi importante que l'histoire des lettres. Voilà, colère est terminée. Yves. Simplement, rajouter une chose qui est remarquable à propos de cette série, c'est le travail sur la matière. Parce que ce qui est intéressant, justement, c'est qu'on n'a pas affaire, là, à un téléfilm avec des comédiens, simplement, qui jouent le rôle des différents artistes. Mais on travaille à la fois sur de l'animation, avec de la peinture sur verre, avec des papiers découpés, avec des techniques très, très fines, très minuscules et réduites, très souvent. C'est-à-dire qu'on vient vraiment filmer des choses qui pourraient ressembler aux bêtes bateaux en papier qu'on fait à l'Assemblée nationale. On voit régulièrement les députés qui s'ennuient, qui font des avions en papier. C'est travailler avec du vernis, avec de la peinture, avec du verre, etc. Et avec une manière, évidemment, de filmer et de mettre en animation et en mouvement tout ça, qui est absolument remarquable. Donc on est dans la modernité absolue, ce qui est logique pour de l'art moderne. Et c'est vrai que c'est révolutionnaire parce qu'on avait Palette avec Hector Holbach, on a eu Dardar, on a eu aussi Otto qui était sur TV5 Monde. Mais là, je trouve qu'avec les aventuriers de l'art moderne, vous l'avez dit, avec cette façon d'avoir des techniques différentes, que ce soit l'animation, les films, ils utilisent des anciens films, des vieux films pour que ça colle exactement au texte qui est dit par Amira Kassar, que j'adore, que je trouve qu'elle est une actrice incroyable. Mmh. Et donc, elle a une voix qui porte cette histoire. Et c'est vraiment, moi, je n'ai jamais vu Vous avez raison, vous n'avez jamais vu. C'est normal. Non, j'ai jamais vu. Oui, ça n'a jamais été fait, si, à part en BD avec la série Pablo, une série qui a été signée de Birman et Oubrerie, et là aussi, il reprenait toute cette histoire. Et d'ailleurs, j'ai été surprise parce que je trouve qu'au niveau du dessin, ça se ressemble, et a priori, il n'y a aucune connexion entre les auteurs et ceux qui ont signé donc Pablo, qui est là aussi une BD remarquable, parce que c'est compliqué. Je suis d'accord avec vous, c'est intéressant de revenir sur la vie privée de tous ces artistes, mais en même temps, c'est pas non plus hyper passionnant parce qu'ils sont dans une petite. Il faut savoir le raconter parce que sinon ça peut être assez plat. Et là, ils savent exactement raconter l'histoire parce que finalement, ça peut ne pas être non plus très passionnant de savoir qu'ils sont dans un atelier sinistre. Mais ils savent le raconter et je trouve que c'est vraiment une réussite et c'est révolutionnaire. Vous achetez ce DVD, c'est fondamental, Arte Édition. Michel. Il y a une chose. Alors moi, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit, y compris Guillaume, j'entends bien ce que tu dis. Pourquoi il a fallu attendre tout ce temps pour en arriver là faisons-le plus tôt. Réédition de Grasset, les trois textes de Dan Frank, qui ont abouti à un volume commun racontant cette histoire. Mais sinon, il y a quand même, c'est génial. Et c'est d'autant plus génial que, il n'y a pas besoin d'être un initié pour suivre ça, pour écouter ça. Ça vous prend, ça vous chope, ça vous embarque. Donc, que tout le monde regarde, parce que, on se cultive. Et puis surtout, il y a une chose qui me passionne dans une série comme celle-là, et j'en ai parlé quelques fois, c'est que souvent, quand on... pas de cette série, mais du propos que je vais tenir. C'est-à-dire que souvent, quand on parle de l'art ou de création, on n'arrive plus à le contextualiser parce qu'on en parle des siècles plus tard ou des années plus tard et on a de la peine, des fois, à se rendre compte de l'importance d'une œuvre au moment de sa création, dans un moment précis, parce qu'on le regarde avec 50 ans ou 100 ans d'écart et on a évidemment de la peine à comprendre quel était le contexte historique à ce moment-là. Or, une série comme celle-là, c'est justement ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle recontextualise la création au niveau
historique, au niveau humain, et nous fait comprendre tout d'un coup toute l'importance et toute le, ouais, la formidable révolution qu'a pu constituer une œuvre lorsqu'elle est arrivée. Et c'est pas théoricien, on le comprend, c'est incarné, c'est matérialisé, c'est, on est dedans, c'est de la chair, c'est de la pâte humaine. Et c'est vraiment, c'est super bien fait, c'est vraiment génial, quoi. C'est, regardez, et, faut regarder. Et en même temps, avec un côté un peu féerique et onirique aussi, qui est apporté par la manière dont la matière, justement, est traitée et filmée. Les 6 épisodes de la série donc, sont disponibles en VOD et en DVD avec bonus. C'est le précédent court-métrage, donc en bonus, de la réalisatrice qu'on évoquait tout à l'heure, Mademoiselle Kiki et les Montparnasse, César 2014 du meilleur court-métrage d'animation avec des entretiens avec Dan Franck, donc, qui est l'auteur de cette série qui a été publiée en 3 épisodes chez Grasset et qui vient d'être regroupée en un épais volume. Amélie Arrou, bien évidemment, Pauline Gaillard et Valérie Loiseleux. Grâce leur soir rendu l'interactivité, donc ce premier sujet, un tweet de Dina à propos des aventuriers de l'art moderne, un bel hommage rendu à la ville de Paris, capitale de l'art moderne, suivant notre tweeteuse. Vous suivez toute l'actualité de l'émission, donc sur le compte Twitter de l'émission, vous laissez des messages avec le hashtag 300 millions de critiques et retrouvez les infos sur le site internet, sur l'adresse ou les adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Autre grande période de créativité, nous avons parlé évidemment du début du XXe siècle, les années 60, là dans un autre registre qui est celui donc de la musique, on change radicalement d'univers, nous allons parler d'un tube qui a 50 ans, Antoine, chanteur atypique, centralien de son état quand il était jeune, ayant largué les amarres depuis longtemps en bateau, se retrouve et se retourne dans un livre CD sur l'aventure des élucubrations d'Antoine, avec cet affrontement à distance à l'époque, concernant donc les élucubrations et la réponse de Johnny Hallyday. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas ce titre dont on a beaucoup parlé, donc voici un extrait. Voilà les élucubrations d'Antoine. Je vous propose donc chez Gallimard cet album où vous voyez effectivement Antoine, donc avec à la fois la célèbre guitare folk et l'harmonica qu'on avait popularisée, qui a été popularisée à l'époque par beaucoup de chanteurs et notamment évidemment par Bob Dylan. 50 ans d'élucubration, c'est publié aux éditions Gallimard. Mon cher Yves, l'homme de la musique, qu'est-ce qui explique cette longévité autour d'une aventure finalement qui a duré combien de temps ? Qui dure parce qu'il est tout le temps omniprésent. Enfin, il est omniprésent en France, Antoine. Mais là, enfin, il est omniprésent en France tout en n'y étant quasiment jamais. C'est là qu'il est très très fort, puisque la plupart du temps, il vient. Je crois qu'il est reparti à Panama, où est son bateau, mais il est au large de l'Australie depuis quelques temps. Il donne, j'ai encore eu de ses nouvelles pour les vœux, hein, donc tout va bien pour lui. Je pense que c'est lui qui a le mieux réussi sa reconversion et à réellement vivre en fait en fonction de ce qui étaient ses idéaux. Mais pourquoi est-ce qu'on parle 50 ans plus tard des élucubrations ? Ben parce que c'est presque la chanson la plus importante française des années 60. C'est celle qui marque la rupture dans la société française et dans la culture française, où on passe de ce qui s'appelait la grande chanson française des années 50, Brel, Brassens, Ferré, Ferrat, Aznavour, Piaf, tout ce que vous voulez, à la chanson française à l'américaine, donc avec des questions sociales, sociétales et intimes, personnelles, qui rejoignent l'écriture de Bob Dylan, celle pour le coup, y compris des écrivains beatniks des années 50, Ginsberg, les Kerouac, Ginsberg, Ferlinghetti, Burroughs, Corso et compagnie. Et c'est une chanson dont quasiment chaque couplet est un véritable sujet de société. D'ailleurs, je vous fais remarquer, et Antoine l'explique très bien dans ce livre qui est rempli d'anecdotes très intéressantes, vous verrez par exemple les images de lui à la factory accueillie par Andy Warhol, on le voit avec mangeant Nico, une banane avec Nico sous la pochette, enfin sous l'original de la pochette du premier album du Velvet Underground. C'est un moment historique. Mais donc, à l'origine, il a écrit non pas « Mettez la pilule en vente dans les Monoprix », mais « Mettez le hashish ». En vente dans les Monoprix. On lui a expliqué que ce n'était pas possible, évidemment, fin 1965, début 1966, de faire ça. Je montre Nico et Antoine à la factory. Voilà. Et simplement, je vous rappelle une chose,
c'est que donc il a remplacé le haschich par la pilule, qui n'était donc pas en vente dans les monoprix en 1965. Je vous fais remarquer que 50 ans plus tard, ben, la pilule, ni le haschich d'ailleurs, ne sont en vente ni dans les monoprix, ni ailleurs. Quoique. Officiellement. En France. Non mais, donc c'est une chanson qui est, pour le coup, réellement révolutionnaire et qui a un moment, qui est un marqueur, voilà, dans l'histoire de la chanson et de la musique en France. Vous permettez que je pose la question qui fâche. Est-ce que finalement, à partir du moment où des gens comme Aznavour, Hallyday, qui ont été un peu les têtes de Turc, justement d'Antoine, sont encore triomphants sur scène, l'un 70 ans, l'autre 90 ans, est-ce que c'est pas Antoine qui a été l'exception? C'est un peu ça la question qui se pose aujourd'hui. Alors, parce qu'il a voulu bousculer tous ces gens-là, mais ces gens-là sont sur scène aujourd'hui et lui, il fait du bateau. Oui, mais non. Dans le sens où je aujourd'hui, fais un peu de provoque, hein. Non mais bien sûr, mais où derrière Antoine, vous avez eu Renaud, vous avez eu Francis Cabrel, vous avez eu aussi tous ses propres héritiers à lui, qui en réalité, si on regarde bien, sont plus les enfants de Bob Dylan d'ailleurs. Qu'autre chose, il faut rappeler que Les Élucubrations, c'est une chanson qui est très inspirée de I Shall Be Free de Bob Dylan, qui est une chanson comme ça qui énumère des aspects ridicules, on va dire, de la société. Qui s'y lance? Il faut dire que ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, le yéyé, vous l'avez dit, c'était une musique qui était extrêmement décriée parce qu'on était souvent dans des paroles un peu niaises, mais en même temps, il y avait l'influence américaine qui bousculait. Et quand on regarde l'histoire d'Antoine, moi, ce qui m'a fasciné en replongeant là-dedans, c'est de voir la quantité de haine que ce gars-là a pu susciter en son temps. Mais alors, il faisait la file la pour aller le puncher. Là. La réconciliation à l'idée Antoine 69, l'Olympia. Mais il n'était pas seul. Il y avait Brel qui était dans la ligue des anti-Antoine. Jean-Yann et Jacques Martin ont fait des parodies. Et donc, tout le monde voulait le parodier. Et on a l'impression que, justement, cette manière-là de jouer de la musique, peu importe les paroles, parce que lui, quand même, les paroles, ils étaient quand même une coche au-dessus de ce qu'on avait. Cette manière-là de faire la musique, ça bousculait énormément. Il y a eu une flopée de groupes au Québec, justement, qui se sont réclamés d'une certaine légitimité parce qu'il a quand même osé faire quelque chose que personne n'avait fait jusqu'à ce moment-là. Et ça, il faut lui donner le crédit. Là, la chemise à fleurs, la chemise militaire et la dérision, ouais, mais finalement. Mais en même temps, on a l'impression... Moi, je sais pas. J'étais pas là pour voir ce qui s'est passé, mais on a quand même l'impression, comme ça, a posteriori, qu'il y avait un côté farceur chez Antoine, quand il a fait ça, qui lui ôte une certaine crédibilité, on va dire, artistique alors, au moment où c'est sorti. Michel, ça, c'est une erreur totale, justement, qu'il explique bien dans ce livre, c'est qu'on a présenté Antoine comme étant, en fait, un comédien qui faisait un canular. Mais pas du tout. C'était un vrai beatnik. Antoine, c'est un gars qui a vraiment fait la route, qui a commencé par chanter juste à côté d'ici, là, sur le quai du Vert-Galant à Paris, puis qui ensuite a fait la manche à Marseille, qui est parti en Suède avec Bo Skaggs, pour ceux qui savent qui est Bo Skaggs, chanteur américain et guitariste du Steve Miller Band, absolument remarquable. En Suède, il a vraiment fait la route, et d'ailleurs, au-delà des Élucubrations, si vous écoutez tout son premier album, c'est l'album beatnik. Laissez Michel vous répondre. Non, mais que l'insurgé puisse s'exprimer. Ça n'a rien de l'ordre de la farce ou de la comédie ou de la rigolade. Alors, j'en doute pas une seconde, et tu es bien placé pour en parler. Simplement, voilà, il apparaît de nulle part à ce moment-là avec ça, et puis surtout, immédiatement après le succès, il s'est quand même tourné vers un genre musical qui était beaucoup plus classique, qui était nettement moins contestataire. Immédiatement, c'est 3 ans. Mais c'est court. Si tu t'adresses à Bigot sur ce sujet-là, on en a pour 3 semaines. Oui, mais moi, ce qui me frappe, moi aussi, je suis d'accord avec. Voilà, j'entends ce que tu. Attends, je termine. J'entends ce que tu dis, mais on a l'impression, peut-être à tort, comme ça. Mais si on a l'impression, c'est que c'est une rumeur qui circule quelque part, même si elle n'est pas basée sur des faits. Je n'essaie pas de me défendre du mieux que je peux, mais d'une certaine manière, je le fais quand même. Mais ça lui colle à la peau. Et peut-être que c'est une des choses. J'écoutais où c'était Stella qui expliquait aussi qu'il se promenait en Triumph, ouais. Roadster. Enfin, je veux dire, ce qui la foutait quand même un petit peu mal pour un beatnik à la fin des années 60. Stella, reproché ça. Elle lui avait dit, vous êtes un beatnik d'occasion. Pourquoi? Parce que c'était une rockstar. Bob Dylan, il faisait pas d'autostop non plus. Il se promenait aussi en Bentley, etc. Je veux dire, c'est un truc de
de marxisme, de cours préparatoire, là, cette analyse. Estelle Martin. Le problème avec Antoine, c'est bon, peut-être qu'effectivement, il a écrit la chanson qui est collée. Il n'avait pas écrit un groupe qui s'appelait Les Problèmes aussi, d'ailleurs. Si, bah, c'était avec Les Problèmes, c'était avec Les Problèmes. Donc Les Problèmes avec Antoine, c'est de... c'était... Je vais montrer la sophistication de cette introduction. Non, Guillaume, après... c'était les Burns français qui sont devenus les Charlots. C'est vous dire les problèmes de la musique en France dans les années 60. Oui, exactement. Mais alors après, moi, c'est juste le souci que j'ai l'impression qu'Antoine, il a écrit un tube. Moi, c'est vraiment le regard. Alors après que je connais que, enfin, encore, je suis pas un perdreau de l'année. Comme, enfin, vraiment, je pense, si, je suis pas sûr que, si tout, que les jeunes de 20 ans connaissent Antoine. Non, ouverte. Pas si vraiment. La chasse n'est pas ouverte. Mais moi, c'est ça. J'ai l'impression, pour moi, Antoine, c'est le mec en chemise à fleurs qui se balade ne dans les publicités. Pas la culture de notre époque, et qui, non, mais il se balade dans les publicités. Il est toujours. Enfin, après, je le trouve très fort, hein, bon, parce qu'il a fait un tube et qu'après, il a réussi à en vivre. Ça fait 50 ans qu'il en vit et il arrive même à sortir un album. Quelle aigreur. Non, mais je trouve qu'artistiquement, c'est un peu court. Donc Estelle, un tube, non, d'abord c'était une superstar en Italie qui a remporté plusieurs fois le Grand Prix de San Remo. Donc c'est une vingtaine de tubes contre Yves Bigot sur ce sujet. Moi, je dis que c'est juste... La seule chose que vous pouvez adresser comme reproche à Bigot, d'ailleurs il est seul à adresser lui-même, c'est que cette contre-culture à la française est évidemment un dé à coudre par rapport à ce qu'ont fait leurs équivalents anglo-saxon. À chaque fois, on en fera une émission sur Frédéric François, il nous dira que c'est Edith Piaf. Donc, personnellement, d'abord, il m'est très sympathique, Antoine, très sympathique. C'est un marin, je préside le musée de la marine, donc j'adore cet homme. Il a vécu la vie qu'il voulait vivre et il la vit, etc. Donc, qu'on l'emmerde pas. Ceci dit, c'est d'une faiblesse totale et que la France, pour 50 ans encore après, parler de ça et faire des émissions là-dessus. Regardez comme elle jubile, regardez. Franchement, c'est sympathique, ça, c'est mignon, mais ça ne fait pas partie d'un patrimoine artistique. Et je pense quand même que la jeune génération s'en tape l'œil totalement. Moi, ça m'amusait à l'époque, mais ça m'a laissé quand même des souvenirs assez médiocre et je trouve bien n'êtes pas un peu d'un grand glaive. Ça, c'est vraiment le Quai d'Orsay qui parle non, de non, je trouve ça... Alors moi, je suis, amère et non, elle, et donc Olivier. Mais, je suis d'accord avec vous, Olivier. Allez. La question, elle n'est pas, Olivier, elle n'est pas celle du patrimoine, elle est sociologique concernant cette chanson. Enfin, c'est que vous le vouliez, Estelle et vous, ou non, mais c'est... Une moi, j'ai des trois ou quatre chansons sociologiquement les plus importantes des années 60 en France. Plus, il faut que vous sachiez aussi qu'à l'époque, c'était la grande bataille des radios périphériques et que ça a joué un rôle considérable dans l'évolution de cette culture, parce que c'était Europe 1 contre RTL. Les uns défendaient les autres ou attaquaient les autres pour de pures raisons, qui étaient des raisons évidemment de concurrence, c'est bien normal. Il est arrivé en même temps que la télévision couleur. Donc comment ça été, il est arrivé en même temps que la télévision couleur. En même temps, sur le fond, il y a une chose qui me paraît aussi importante dans la décrédibilisation de cette culture-là, c'est qu'il y a quand même beaucoup de jeunes Français à l'époque qui découvrant, alors là, on revient à un truc sérieux, découvrant les grands historiens américains, se sont dit finalement, peut-être qu'une partie de cette culture française classique qu'on adorait, celle de Brel, Brassens et les autres, fait partie de cette espèce de France moisie qui aurait joué un rôle un peu obscur pendant l'occupation. Il y a beaucoup de gens qui, après avoir lu Paxton, sont passés directement à la culture anglaise, donc au rock'n'roll, considérant que tout ce qui était français était bizarre et louche. On fait un détour par le compte Facebook des éditions Gallimard, car il faut quand même rappeler, si on se moque gentiment d'Antoine, que c'est Gallimard qui publie donc Antoine Gallimard. Antoine Gallimard, bien sûr, elle est excellente, là. À propos de la sortie du livre, donc 50 ans d'élucubration qui raconte donc naissance tumultueuse et l'incroyable succès d'une chanson mythique. Vous trouvez beaucoup de photos qui sont très amusantes. Vous suivez bien évidemment le compte Twitter de l'émission, vous laissez des messages sur le hashtag 300 millions de critiques et retrouvez les infos sur le site internet aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Merci mon cher Yves d'avoir été avec passion comme d'habitude avec nous. Dans un instant, c'est Pascal Bourgaud qui nous rejoint pour notre prochain débat sur la BD, donc, puisque nous allons parler d'Angoulême. C'est dans une semaine, mais d'abord, c'est l'heure du Zap culturel avec donc ma voisine aux commandes, Estelle Martin et Aurore Marty. Salut! Kiro est la première et la seule start-up créatrice de jeux vidéo au Cameroun. Elle sort le premier jeu africain destiné au public du continent. Ici, on est en train d'affronter un esclavagiste, on va dire. Donc, c'est quelqu'un qui attrape des clandestins dans une forêt et qui les revend dans un circuit de mines clandestines. Il y a trop de haine, il y a trop de fou et tout. Ils se sont investis, corps et âme, dans l'aventure de ce spectacle. Car raconter en musique et en chanson l'épopée de toute une nation n'était pas gagnée. C'est une personne qui est tellement, je ne dirais pas parfaite, mais qui est tellement humain, je dirais, que pour moi c'était important de refléter ce côté de lui. On est là pour s'occuper des orphelins. C'est important qu'ils aient moins de 5 ans. Non, mais qu'il n'y ait pas de confusion, on n'achète pas des enfants. Il y a quelque chose de mythique dans cette histoire, sur le rapport entre
une précarité, puis des gens plus riches. Sur... Et surtout, il y a quelque chose, c'est l'enfer qui est pavé de bonnes intentions. Faut pas nous gâter la fête, hein. Faut pas nous prendre la tête, hein. Depuis, je te vois, on dirait que tu n'as pas l'air dans ton assiette, hein. J'aurais des grenichons un jour, moi aussi. J'en sais rien, Prune. C'est une famille recomposée, bien ancrée dans notre époque. Quel blaireau. Bah, en même temps, c'est un peu ma chambre, quoi. Les enfants de Claire, ceux de Maurice. Bonsoir, Maurice. T'as le droit de m'appeler papa aussi. Et l'oncle Marc, le frère de Claire, qui squatte et avec une copine. Et puis un jour... Papa est mort. On est bien triste d'avoir perdu un papa et un grand-père. C'était Choisel, dans sa maison, à côté de l'église, qu'il écrivait. Michel Tournier, un auteur qui aimait prendre son temps. Un premier roman à 42 ans, Vendredi ou les Limbes du Pacifique, un succès immédiat. Quand le succès arrive, la chanteuse décide très vite de mettre en lumière son mentor. Elle n'avait que 12 ans lorsqu'il tombe sous le charme de sa voix. Il prend des risques, hypothèque sa maison pour la produire. En 88, il l'inscrit à l'Eurovision qu'elle gagne pour la Suisse. Le phénomène Céline Dion, inventé par René Angélil, provoque des retombées d'un demi-milliard de dollars ici. Las Vegas rend hommage aujourd'hui au mari, au producteur et à l'homme d'affaires. Alex, c'est quelqu'un qui chapeaute, on va dire, l'entreprise. On les appelle les Go Fast. Bon. Pour raconter ce voyage en forme de course-poursuite, Frédéric Schoendoerfer s'est attaché au destin de ses convoyeurs entre professionnels du crime et petite frappe. C'est des jeunes gens qui sont issus des quartiers, qui font ça pour 20 ou 25 000 euros, qui prennent pas mal de risques parce qu'ils peuvent se retrouver en prison. Le premier détenu de ma vie que j'ai vu a tout de suite trouvé les mots justes pour me toucher. Hein. Une femme, ça fait plaisir. La photographe franco-marocaine Leila Alaoui, 33 ans, a succombé à ses blessures hier soir. Elle était au Burkina Faso pour réaliser un reportage sur les droits des femmes. Dans l'une de ses œuvres, Crossings, elle retrace l'expérience de migrants subsahariens, leur terrible voyage après plusieurs mois de travail auprès d'eux. I feel like going back, but where will I go to if I go back? Dès que j'ai franchi la frontière, le vent soufflait plus fort qu'hier. Quand j'étais près de toi, ma mère, on m'appelait. Et nous sommes ravis de vous accueillir pour cette troisième partie de l'émission, après donc le zapping, avec cette lumière extraordinaire sur la capitale, Paris, Notre-Dame, la Tour Eiffel et le soleil, donc au début du mois de janvier, qui tombe doucement, donnant une lumière extraordinaire. Nous allons parler maintenant, bonjour ma chère Pascale Bourgaud, bonjour, d'un sujet qui Guillaume. Vous passionne, pour débattre avec nous évidemment du Festival d'Angoulême, qui démarre dans une semaine. Il s'agit évidemment de la BD, il s'agit du 40e festival, 1500 auteurs, invités bien sûr de nombreux temps forts. Le programme s'annonce chargé, avec quels sont... avec évidemment les nouveautés que l'on attend, les BD en compétition, car il y a une compétition à Angoulême. Nous allons en débattre tout de suite ensemble. D'abord, est-ce qu'il y a des gens, à part moi, qui sont tous les jours rétifs à la BD, ou est-ce que je suis le seul taré qui ne s'intéresse pas totalement à la BD? C'est le seul. Je suis le seul. Ouais. Je crois qu'Olivier n'est pas... Non, moi, je dénonce mon camarade Olivier. Je garde mon intervention pour plus tard. Pour plus tard. Alors... Enthousiaste, vous êtes. Enthousiaste, je suis, comme dirait Maître Yoda. Oui, parce que c'est vrai que c'est le plus gros festival de BD au monde, on peut le dire. C'est la 43e édition. Et là, en plus, c'est un mangaka qui signe l'affiche. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est Katsuhiro Otomo. Et c'est vrai que cette affiche, elle est assez extraordinaire parce qu'elle fait vraiment penser à la peinture chinoise. Mais en fait, si on regarde bien, il y a plein de clins d'œil à la BD. Il y a Tintin, il y a la fameuse... Alors, Otomo, c'est le créateur d'Akira. Donc il y a la moto qui est d'Akira, donc c'est assez amusant. Et moi, je vais vous parler d'un de mes chouchous qui a eu le prix, le fauve prix de la série à Angoulême. Il s'agit de Bastien Vivès, il est tout jeune. Moi, je l'ai découvert avec Paulina, où il racontait les débuts d'une danseuse étoile. Il est juste incroyable de talent. Et lui aussi se lance dans le manga. Donc je pense que c'est aussi lié au festival d'Angoulême. C'est-à-dire que ça permet à des dessinateurs, des jeunes dessinateurs comme Bastien, de s'ouvrir à d'autres horizons. Et lui, il a créé un manga. Je sais que ça vous passionne. Donc c'est Last Man. Je vous la conseille. Enfin, plutôt peut-être pour les jeunes. Mais il n'empêche que maintenant, il y a du manga moi, à la française. Jugement, et il a reçu un prix. Totalement allergique.
qui prouve la qualité de la création de Bastien Vivès. Et il y aura une grande exposition dans le cadre de cette 43e édition. J'ai une question pour vous. Je vous en prie. Comment ça se fait que vous êtes un amateur d'art visuel, vous aimez tout ce qui est dessin, tout ce qui est composition, et vous n'aimez pas la BD? Non, je ne comprends pas. Pourquoi? Vous voulez que je réponde? Oui. Bah parce que c'est ni du roman ni de la peinture, c'est de la BD. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas... Les dialogues ne sont pas de la grande littérature, d'ailleurs, je ne mets pas au pinacle la littérature, et vous ne retrouverez jamais chez les dessinateurs l'équivalent de Dali, Picasso, Warhol et les autres. Mais le cinéma, donc, c'est simplement alors, un problème. Alors, le cinéma, cher Guillaume... Qu'est-ce qu'il y a, le cinéma? Le cinéma, ce n'est pas non plus de la littérature, les dialogues... Mais figurez-vous que j'étais en train de mettre un point sur la pédale qui m'est chère. Par moment, le cinéma me barbe. Par justement, alors là, tout d'un coup, on est dans une psychanalyse de Guillaume Durand. Mais le cinéma, dans son rapport, justement, à l'industrie, c'est-à-dire qu'il faut absolument un metteur en scène, il faut absolument, évidemment, un scénario, donc il faut raconter une histoire, ce qui est bazardé depuis le début du XXe siècle. Oui, mais la peinture a bazardé ça depuis le début du XXe siècle. Les peintres sont abstraits, et, enfin, en grande partie, puisqu'on vient de parler, justement, de l'extraordinaire révolution de l'art moderne. S'il y a, justement, quelque chose de fondamental dans cette histoire-là, c'est les fusils armés contre la narration. Or, on est encore dans des arts de la narration. Donc ce que vous aimez, c'est de travailler seul, en fait. C'est ça que vous nous dites. Non, mais la musique... Non, mais il y a une qualité dans l'art et dans la musique, c'est que je ne sais pas si on dirait que je fais mon numéro, qu'il y a une qualité d'abstraction et donc d'imaginaire qui me paraît plus caractéristique de ce qu'est le monde contemporain que de toujours raconter l'attaque de la diligence ou le mari qui est jaloux de sa femme ou cette... brutal ou ce brutal désir qu'habite votre voisin, Michel, depuis que vous avez mis des bottes rouges. Pour moi, vous n'êtes qu'un monochrome rouge, alors que Michel, vous n'êtes une femme. Non, alors allons-y. Pas brutal, Guillaume. Non. Olivier, allez. Non, mais... Et après, c'est question, et après, évidemment, Mathieu va... Moi, j'étais un peu comme vous, Guillaume, il y a 20 ans. Je précise que je plaisante, je fais un peu... Non, je souhaite... Mais non, j'ai pas été élevé avec des bandes dessinées, à part les deux, trois classiques qu'on connaît bien, belges pour la plupart, etc. Mais j'ai pas été... Et puis, je suis allé... il y a 30 ans, même plutôt, à Angoulême, justement, dans cet endroit, c'est la 43e édition. Et là, j'ai compris ce que c'était. Vraiment, et ce festival a joué, pour moi, vraiment un rôle de guide formidable, ce qui fait que chaque année, j'y vais, et j'essaie de suivre un peu l'actualité grâce à ça, parce que c'est quand même très, très difficile de suivre tout ce qui sort. Il y a énormément de production considérable. J'imagine que c'est le ressort de l'édition en France. Et il faut dire, vraiment, cet endroit mérite d'être classé au patrimoine immémorial de l'humanité. C'est les Belges à côté, vous n'avez pas le quart d'un festival comme Angoulême, d'ailleurs, vous précipitez pour venir. Ouais. Et on a inventé ça, et généralement, et je crois savoir que la municipalité ne se rend pas complètement compte et que peut-être les élus ne font pas tout à fait ce qu'il faut faire pour garder ce lieu extrêmement vivant et qui est quand même le lieu number one dans le monde pour la bande dessinée. Et je termine juste, le rendez-vous là, qui est annoncé cette année a l'air formidable et donc il faut y aller parce qu'on découvre à la fois les grands maîtres, il y aura Akira qui sera là, on va présenter son œuvre et on va en même temps découvrir des tas d'albums qui sortent tous les jours et qui sont une formidable quand même contribution. C'est comme dire on n'aime pas la télévision, Guillaume, aujourd'hui c'est quand même difficile de dire qu'on n'aime pas la bande dessinée car ça propose en effet un regard sur le monde un peu moins peut-être glorieux comme ça que celui de la littérature. C'est un autre récit du monde qui est important et qui en plus amène des tas de gens et des jeunes, je termine là-dessus, à lire. C'est quand même, la bande dessinée, ça se lit notamment la fois dernière je vous ai prêté mon coup de cœur, là, cette bande dessinée qu'il fallait illustrer de Raphaël Mezrahi, mais on lit à travers la bande dessinée. Pardon, un peu de cohérence, je voudrais qu'on termine ce qui a posé une question et après on va en parler avec vous. J'avais une question, c'est tout. Mathieu, derrière la question que vous me posiez, j'ai fait une réponse toute personnelle, qui n'a rien de théorique, qui n'est vraiment que personnelle. Votre point de vue à vous nous intéresse. En fait, j'aurais le goût de vous dire, quand vous dites que c'est peut-être plus mineur que l'art visuel, que justement, comme vous le disiez, Olivier, il n'y a pas une BD, il y a des BD, il y a toutes sortes d'approches on a des grands maîtres. Moi, je pense à Winchlus, par exemple, qui a fait un Pinocchio extraordinaire il y a quelques années. C'était une réinterprétation de Pinocchio que je n'avais jamais vu nulle part ailleurs. Et on regarde, par exemple, la sélection cette année, on a des trucs. Et ce que j'aime beaucoup d'Angoulême, c'est qu'ils ont quand même tenu le flambeau à un moment où, justement, la BD est encore regardée de haut comme un art mineur. Et là, depuis quelques années, on voit vraiment que on est en train, justement, de
faire. La BD est en train d'arriver dans l'art, et ça, c'est grâce, en tout cas, à des gens, entre autres, comme le Festival d'Angoulême. Et on a des propositions qui sont extrêmement... contemporaines. On regarde, par exemple, Luz avec Catharsis, qui fait partie de la sélection officielle. On est dans le poste Charlie. C'est un des grands artisans de Charlie. Et là, on est vraiment dans une réflexion. Là, on tombe dans le meilleur média qu'on pouvait trouver, le meilleur médium qu'on pouvait trouver pour parler des événements de Charlie, parce que là, on a le dessinateur qui s'exprime par son art sur un événement qui a mis en scène justement des gens qui, selon certains, étaient allés trop loin avec leur dessin. Et là, on est vraiment dans quelque chose de majeur, là, parce que c'est vraiment la BD qui raconte le monde tel que le monde a voulu la mettre dans un coin. Et on est, à mon avis, dans quelque chose qui est de haute volée, vraiment de haute volée. J'en prends deux exemples. Par exemple, Cher pays de notre enfance. Alors là, c'est Étienne Davodeau et Benoît Colomba avec le général de Gaulle et les taches de sang qui plongent justement dans les arcanes de l'histoire française et des affaires à la française. Donc là, c'est quasiment parapolitique pour montrer évidemment à quel point ça peut être divers. Et là, avec Aude Samana et Denis Lapierre, c'est une adaptation de Martin Eden, donc d'après le roman de Jack London. Donc il y a beaucoup de registres différents. Vous vouliez montrer Catharsis de Luz, voilà. Il est là et c'est un des grands favoris. C'est sans doute lui, enfin on verra, qui va gagner le Grand Prix. Alors je vais juste vous lire l'introduction parce qu'elle est magnifique, très bien présentée Mathieu, mais c'est pas une BD, il le dit lui-même, c'est plutôt une catharsis, d'où le titre de l'auteur. Puisque c'est une idée très personnelle, très intime, où il fait un voyage de réconciliation entre lui et son dessin, lui et son crayon. Mm-hmm. Et il voyage à travers ses sentiments, ses émotions, évidemment. Un jour, le dessin m'a quitté, dit-il, le même jour qu'une poignée d'amis chers. À la seule différence... Il s'agit de Charlie Hebdo, il faut rappeler. Bien sûr. Donc, Luz, qui est le dessinateur de Charlie Hebdo, qui a survécu et qui donc, évidemment, après avoir perdu tous ses amis... écrit ceci, donc un jour, le dessin m'a quitté, le même jour qu'une poignée d'amis chers, à la seule différence qu'il est revenu, lui. Petit à petit, à la fois plus sombre et plus léger. Et puis je vais à la conclusion. Le livre n'est pas un témoignage, encore moins un ouvrage de bande dessinée, mais l'histoire de retrouvailles entre deux amis qui ont failli un jour ne plus jamais se croiser. C'est magnifique parce qu'il entre à la fois dans l'intimité de ses émotions, mais il raconte aussi toute une série d'anecdotes qui lui arrivent, notamment, il dessine très bien la boule dans le ventre, voilà, je vous le montre. Donc, il a une boule dans le ventre, évidemment, qui n'aurait pas après ce qu'il a vécu. Et alors, pour l'apprivoiser et lui parler, il l'appelle Ginette. Mm-hmm. Et donc, bon, évidemment, il est à poil, là, mais c'est secondaire. Mais il parle avec sa Ginette, c'est magnifique. Ou alors, et un dernier point, parce que nous arrivons presque au bout, mais allez-y, terminez. Voilà, donc là, il explique comment il voit partout les agresseurs qui entrent par la fenêtre, par la porte, dans les nuages. Enfin, il les voit partout, c'est magnifique. Et voilà, à lire, vraiment, c'est très émouvant. Moi, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est qu'on voit aussi que c'est quelqu'un qui a une palette qui est très grande, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a déjà fait, moi, une de mes BD préférées au monde, c'est la BD qu'il a fait sur la vie de David Guetta, qui s'appelle King of Club. C'est un des trucs les plus drôles que j'ai lu de ma vie. Et donc, il est aussi capable de cabotinage que d'aller dans quelque chose d'extrêmement profond avec Catharsis. Oui, très, très profond. Et c'est ça, aujourd'hui, la BD. Ouais. C'est comme les frères Coen qui font des tragédies d'ailleurs, et qui font de la comédie. D'ailleurs, petite remarque, tout le monde y vient à la BD, même vous et même d'autres diplomates, puisque le président du jury n'est autre que Antonin Baudry, qui est le scénariste de Quai d'Orsay. Donc voilà. Rien qui a donc travaillé avec Denis Lupin au ministère des Affaires étrangères. Voilà, exactement. Où travaille notre cher... Rien n'est perdu. Festival d'Angoulême qui, d'ailleurs, n'y voyait pas de relation de cause à effet, qui est soutenu par le Quai d'Orsay cette année, pour la première mais fois. J'en dirai un petit mot. Dans voilà. Alors, non, votre point de vue, Michel Non, mais simplement par rapport à la BD, c'est intéressant ce que vous disiez. Je crois que la BD, il ne faut pas la voir comme étant du roman ou comme étant de la peinture. C'est une forme d'art en soi qui donne au lecteur une liberté, mais une liberté qui n'est pas la même qu'on peut avoir dans un tableau ou qui n'est pas la même qu'on peut avoir dans un roman. Ça a été le cinéma du pauvre pour de nombreux lecteurs, j'imagine, dont je suis. Je dis dans cette émission que quand on avait parlé de Tintin, ben voilà, c'était une occasion pour moi, quand j'étais gamin,
de voyager, ne serait-ce que ça, par rapport à là où j'ai grandi. Vous ne pouvez pas voyager tout seul. Bah non, j'ai grandi un petit peu en très grande province, vous savez, dans les Alpes, près du Cervin. Non, mais enfin voilà, ça donne la possibilité de s'évader à un autre degré. Moi, j'ai adoré Tintin, Lucky Luke, d'ailleurs, l'exposition consacrée à Lucky Luke. Hein, c'est... Mm-hmm. Et c'est comme si vous disiez, j'ai aimé Paul Bourget, ou vous voyez, il faut actualiser un peu son répertoire. Une grande expo sur Tintin qui se prépare. Je sais ce qui s'est passé. En fait, il a avalé un bocal de cornichons pas frais avant que démarre cette émission. Et donc, Quai d'Orsay est détérioré par des aigreurs qui remontent. Mais qui en même temps. Ouais. Bon, alors accoucher, mon cher Cervin. Oui, bien que vous savez, ça se fait, le Cervin, il ne s'est pas fait tout seul. Hein. Il fallait quelques temps. Ouais. Donc il faut aller dans la lenteur. Non, enfin bref. Donc la BD, oui, voilà, art majeur, mais art voilà, qu'il ne faut pas rattacher à autre chose. C'est un art en soi. Maintenant, à Angoulême, ben, évidemment, Mathieu l'a bien expliqué quant à l'importance qu'a ce festival, de manière générale, à l'international, et qui va bien au-delà de la France. Il n'y a qu'à regarder les albums qui sont sélectionnés, les dessinateurs qui sont sélectionnés, ce ne sont pas simplement des Français et qui ont été récompensés, ou des Belges, ou des francophones. Et voilà, un festival aussi pour lequel les auteurs suisses ont compté, ont participé, que ce soit causé... C'est le festival de Cannes de la BD mondiale. Hein, c'est ça, et qui a récompensé effectivement des dessinateurs suisses, que ce soit causé, que ce soit Zepp, que ce soit Frédéric Peters d'ailleurs. Frédéric Peters, qui est un jeune BDiste, enfin jeune, relativement jeune, puisqu'il est né en 1974, donc il n'est plus tout à fait si jeune. Il est très jeune. Il est très jeune. Ouais. Il est très jeune. Alors, j'en connais un autre, donc, de 74, semble-t-il. Mais qui se détache, on va dire, des grandes figures historiques que sont Cosé ou Zepp en Suisse, ou de Rib, par exemple, Père Diacari ou Buddy Longway, qui est un BDiste qui a été récompensé l'année passée, ou il y a deux ans, je ne me rappelle plus, à Angoulême. Il a reçu le prix de la série BD d'Angoulême. Il fait des choses très différentes, c'est un surdoué. Il fait autant les pilules bleues, qui est une BD autobiographique, comme ça, en noir et blanc, sur sa vie et sa compagne qui est atteinte par le sida, et le fils de sa compagne qui est atteint également par le sida, qui est très touchant, qui est très intime, qui est très dur aussi. Ou alors cette série Ama en 4 tomes, qui, elle, est une sorte de Space Odyssey. Et tout ce beau monde se retrouve un jour ou l'autre, ou doit passer par Angoulême, parce que c'est la consécration, c'est la reconnaissance. Olivier. Non, il y a un directeur fort courageux qui s'appelle Franck Bondou, qu'il faut aller voir parce qu'il adore rencontrer son public. Il y a quand même, je crois, à peu près un tiers d'étrangers qui sont là. Et puis, mais ce sera mon petit coup de cœur cette année, particulièrement, il faut aller en France, dans des endroits où il y a de la culture, des artistes. Voilà. Les dates exactes du Festival d'Angoulême, pour tous ceux d'entre vous qui veulent y aller, c'est du 28 au 31 janvier, donc il faut quand même se presser. Et nous terminons avec un tweet de Jean qui nous renvoie avec un article consacré à l'hommage que fera le Festival d'Angoulême à Maurice, le père de Lucky Luke. Et vous aussi, suivez notre émission sur le compte Twitter de l'émission. Vous laissez des messages avec le hashtag 300 millions de critiques. Et puis vous retrouvez les infos sur le site internet aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Nous sommes à la fin de cette émission. Des larmes coulent sur nos corps fatigués. Et c'est donc vous qui allez commencer. Ah, très bien. Coup de cœur. Un coup de cœur qui peut vous arracher des larmes puisque c'est de la musique. Christine Salem, c'est son dernier album, L'Arc Palo Corps. C'est vraiment une des grandes voix du Maloya. C'est ce blues qui héritait des esclaves. Donc, elle est originaire de la Réunion. Et c'est vraiment... Alors, elle chante en créole, mais ce sont vraiment des revendications. Enfin, elle parle de problèmes de société, d'identité, de racines. Et c'est extrêmement touchant parce que déjà... Alors, moi, ce que j'adore chez Christine Salem, c'est son timbre de voix qui, à la limite, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Et surtout, elle est vraiment habitée par ce qu'elle chante. Je vous confirme que c'est une femme. Oui, c'est une femme. Elle a un petit peu, elle a un look, elle a Black Panthers, un peu des années 70. Angela Davis. Un peu Macy Gray. Voilà, mais elle a une voix, mais un timbre de voix rauque qui vous prend aux tripes. Parce qu'en plus, on sent que ce qu'elle chante, elle le vit, elle le pense, elle le défend. Donc voilà, c'est Christine Salem, L'Arc Palo Corps. Excusez-moi pour mon accent créole qui ne doit pas être terrible. Voilà, donc cet album qu'il faut écouter. Mathieu. À la suite de notre discussion sur Antoine, j'aimerais vous recommander deux blogs extraordinaires, des deux Québécois qui tiennent des blogs de musique, les musiques obscures des années 60-70 au Québec. Ils parlent abondamment, notamment d'Antoine et de ses influences au Québec. Il y a Patrimoine PQ, donc on va mettre l'adresse à l'écran. C'est tenu par Sébastien Desrosiers et Vente de garage, qui est un blog tenu par Félix B. Défossé. C'est vraiment une plongée dans une musique francophone américaine, souvent
trop peu connu. Il y a des perles là-dedans. C'est vraiment extrêmement bien documenté. Vraiment, vous n'aviez pas idée qu'un tel répertoire existait. Et c'est vraiment très bien fait. C'est très professionnel. Mm-hmm. Patrimoine PQ et vente de garage. Mon cher Olivier. Alors, mon coup de cœur s'appelle Le Grand Tour. Vous savez ce que c'est que Le Grand Tour, évidemment, Guillaume? C'est ce voyage que faisaient les Anglais en Italie pour apprendre les choses du monde. Il y a une quarantaine de gens bien, qui s'appellent Pierre Lescure avec le Festival de Cannes, Olivier Pie avec le Festival d'Avignon, le garçon dont on a parlé, Franck Bondou. C'est l'occasion de dire un mot de Luc Bondy qui vient de nous quitter. De Luc Bondy qui vient de partir, qui a été un grand patron de l'Odéon. De l'Odéon, absolument, et qui ont considéré que ce semestre qui vient, là, donc de janvier à juillet, devait être une occasion supplémentaire pour ceux qui vivent à l'étranger, qui nous regardent, de venir en France. Le tourisme a baissé de manière considérable. Hein. Et le tourisme, pour nous, c'est dramatique parce que c'est la visite des musées, la visite des spectacles, la visite de tout le patrimoine et la création culturelle en France. Et donc, ces 40 directeurs de lieux, y compris des gens qui ont créé des nouveaux lieux, par exemple la Cité du Vin, des civilisations du vin que Alain Juppé va lancer à Bordeaux en juin, les fêtes maritimes de Brest, ont décidé de se fédérer ensemble dans ce qu'ils appellent le Grand Tour, qui est en forme d'agenda culturel des manifestations les plus attractives, mon cher Guillaume, et qu'il faut aller visiter en France entre janvier et juillet 2016, donc c'est l'agenda sélectif et vous aurez le meilleur du meilleur ouvert sur le monde et qui, suite de ce qui s'est passé au Bataclan ou dans les locaux de Charlie, montre bien que la culture, elle est toujours en péril d'une manière ou d'une autre et le manque de fréquentation pourrait être dramatique pour tout cela. Donc, si d'où vous l'attractivité plus, que vous incarnez. Et je l'incarne, et si vous voulez vous renseigner, comme par hasard, le site du Grand Tour, vous le trouverez sur le site du Quai d'Orsay, c'est-à-dire Diplomatie, vous allez chercher, vous trouverez tout ça. Et dans Angoulême fait partie Et dans Angoulême fait partie absolument de ce Grand Tour. Ça commence par une nuit des idées qui est assez formidable, qui sera à Paris début fin janvier, organisé par l'Institut français, et puis plein de manifestations tout à fait sympathiques que je vous recommande. Pascal Bougon. Mon cher Guillaume, non, moi je suis restée dans la bande dessinée à Angoulême. Le seul Belge nominé, c'est un Flamand, mais il fait de la bande dessinée en français. Il s'appelle Olivier Scrowen, et il fait la biographie fantasmée surréaliste de son grand-père. Donc c'est un récit parodique d'une aventure coloniale et colonialiste. Mmh. Il allie à ça une approche graphique un peu originale puisque c'est à la fois figuratif et géométrique, le tout en bleu et en rouge. Voilà, un ovni. En bleu et en rouge. Comme vous. Un ovni. Ah voilà, exactement, c'est ça. Vous êtes l'ovni. Voilà, c'est ça. Je suis la personnification de l'ovni belge d'Angoulême. Mm-hmm. Voilà, c'est ça mon petit coup de cœur que je partage avec vous. Donc le passé colonial, donc il est question aussi du Congo. Non, c'est tout à fait mystérieux. C'est-à-dire la colonie vers laquelle son grand-père supposément se rend dans un paquebot n'existe pas. Il n'y a pas de référence directe, mais par contre la c'est référence. C'est pas un Tintin au Congo contemporain. Non, pas du tout. C'est surréaliste, tout ça est fantastique. Mais nous sommes dans le domaine de l'imagination, mon cher. Magnifique. Le Servant. Le Servant. Oui, bah alors ça tombe bien, Le Servant, parce que voilà, c'est une BD de Cosé qui a commis pas mal de BD autour de la montagne, notamment avec Jonathan, les aventures de son baroudeur du côté de l'Himalaya. Celui-ci, c'est Voyage en Italie, Le Voyage en Italie, un bouquin qui avait reçu le prix des libraires francophones de BD il y a de cela passablement de temps. C'est une BD de la fin des années 80, début des années 90. Cosé, qui est un peu, voilà, c'est un des trois grands bédéistes en Suisse, je le disais tout à l'heure, c'est un peu le père fondateur, c'est le plus ancien, enfin, c'est un de dérive, mais enfin, c'est celui qui a été le plus connu. Et avec ce livre-là, eh bien, c'est une formidable BD de facture très classique, mais c'est un beau voyage, Le Voyage en Italie, et c'est chez Dupuis, je vous le recommande vivement. Voilà, et je terminerai pour illustrer donc, Les Aventuriers de l'Art Moderne, un livre absolument fondamental de conversation, Brassat et le grand peintre, le grand photographe, pardon, qui a rencontré donc, le grand peintre qui est Picasso. Conversation avec Picasso, il raconte absolument toutes les séances qu'il a pratiquées avec Picasso au château de Bois-Geloup, donc pas très loin de Paris, où il a photographié les sculptures de Picasso, et puis évidemment, tous les grands ateliers de Picasso, rue de la Boétie, rue des Grands Augustins, et puis dans le midi de la France, et vous avez toutes les photos, et tous ceux qui étaient autour, c'est-à-dire Cocteau, enfin, tous ceux qui ont accompagné donc Picasso pendant des années. C'est un texte absolument fondamental qui accompagne parfaitement ce DVD qu'il faut donc acheter. Merci d'avoir participé à 300 millions donc, de critiques. Nous sommes ravis de vous accompagner chaque semaine. Doucement, la nuit tombe et nous aussi. Mama, don't give up. Oh, mama, don't give up. Mama, don't give up.